L'armée est la porte de secours et la protection d'un pays dans la mesure où elle permet de diluer les délits, limiter les guerres et assumer l'ordre et le maintien de la sécurité dans un pays. Nous avons ici pour vous les 10 armées les plus puissantes de l'Afrique. Si vous êtes nouveau dans cette chaîne, je vous invite à vous abonner pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. En 10e position, nous avons la Force armée de la République du Congo. L'armée congolaise change l'histoire du Congo-Brazzaville à travers 4 périodes. L'indépendance de 1960, les années du marxisme-léninisme de 1970 à 1990, l'arrivée du processus autour des années 1990 et l'éternel défi de la reconstruction et de la réconciliation nationale. L'armée du Congo-Brazzaville compte 10 000 hommes actifs, 13 forces aériennes, 175 tanks, 6 forces navales et un budget de défense de 700 millions de dollars américains. En 9e position, nous avons l'armée de la Côte d'Ivoire. Les forces armées de la Côte d'Ivoire comprennent les organismes interarmés et plusieurs composantes principales. Il s'agit de l'armée de terre, la marine nationale, l'armée de l'air, la gendarmerie nationale, qui est rattachée au ministère de la Défense et est une force armée chargée des missions de police placées sous la tutelle du ministère de la Défense. La Côte d'Ivoire est à la 9e place et a son actif 25 500 hommes, 5 forces aériennes, 10 forces navales et 15 tanks et 575 millions de dollars américains. En 8e position, nous avons l'armée du Cameroun. Les forces militaires du Cameroun sont responsables de la défense au Cameroun. Elles représentent environ 50 à 65 000 hommes dans l'armée de terre, de l'air et de la marine. Le Cameroun, qui est à la 8e position et qui compte près de 14 500 hommes actifs, 31 forces aériennes, 64 forces navales, 60 artilleries et 350 millions de dollars américains en guise de budget de défense. En 7e position, nous avons l'armée du Mali. Fondée le 1er octobre 1960 après l'indépendance du pays envers la France, elle comprend plus de 13 000 hommes. Elle se compose d'une armée de terre, une armée de l'air, une garde nationale et d'une gendarmerie. Le Mali vient occuper la 7e place avec 10 000 hommes actifs, 28 forces aériennes, 50 tanks, 265 véhicules armés et un budget de défense de 65 millions de dollars américains. En 6e position, nous avons l'armée du Niger. Les forces armées nigériennes regroupent en son sein les forces paramilitaires, c'est-à-dire police et garde nationale et militaires du Niger, gendarmerie incluse, avec en 2020 53 265 hommes et 5 000 réservistes. À la 6e place de cette liste, il y a le Niger qui est composé de 5 500 hommes actifs, 16 forces aériennes, 180 véhicules armés et un budget de défense de 230 millions de dollars américains. En 5e position, nous avons l'armée du Tchad. Le Tchad est en 5e place du classement et se compose de 30 500 hommes actifs, 36 forces aériennes, 225 véhicules armés et un budget de 82 210 000 dollars américains. L'armée tchadienne jouit depuis près d'une décennie de bonne réputation à l'extérieur de son territoire. En 4e position, nous avons l'armée de la République démocratique du Congo. Les forces armées de la République démocratique du Congo sont dans un grand processus de reconstruction après la deuxième guerre du Congo achevée en 2003. Anciennement appelée forces armées zaïristes. En 4e position arrive la République démocratique du Congo qui possède 50 forces aériennes, 20 forces navales, 200 véhicules armés et un budget de défense de 90 millions de dollars américains. En 3e position, nous avons l'armée du Maroc. Le royaume du Maroc, qui s'est séparé de l'Angola en rang mondial cette année, occupe la 3e place de cette position avec 310 000 hommes actifs, 243 forces aériennes et 510 artilleries et un budget de défense de 6 milliards de dollars américains. Les forces armées royales constituent la force militaire du royaume du Maroc chargée de la défense du pays et de la protection de ses intérêts nationaux. En 2e position, nous avons l'armée de l'Algérie. Avec 280 000 hommes de troupes, dont 130 000 actifs, 551 aéronefs, 201 navires, 65 patrouilleurs et 8 sous-marins et un budget de défense de 13 904 millions de dollars américains, l'armée algérienne se situe à la 2e place du classement africain. En 1e position, nous avons l'armée de l'Égypte. L'Égypte arrive en 1e position sur le continent africain avec ses 930 000 hommes, dont 450 000 actifs,
et 480 000 réservistes, 1053 aéronefs, 11 000 blindés et 316 bâtiments de marine et un budget de défense de 10 milliards de dollars américains. Ainsi, il est très nécessaire d'avoir une armée pour des situations qui peuvent changer le cours de l'histoire d'un comme la guerre, les terroristes, le coup d'État, le maintien de la paix, la protection du pays et bien d'autres encore. C'est donc les conditions sine qua non d'une nation. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à vous abonner, de liker et mettre en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo. Ciao!